les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, bienvenue pour cette guidance du mois d'août 2021, une guidance générale qui, comme je vous le répète à chaque fois, ne peut pas vous concerner tous de la même façon en même temps. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses et donc vous ne pouvez pas avoir une traduction des cartes du tarot équivalente tous autant que vous êtes. Donc, prenez les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et surtout, laissez les autres messages. Je vous rappelle qu'il est intéressant, si vous le souhaitez, de regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, pouvoir faire des recoupements et donc avoir davantage de détails, ce qui ne remplace pas un tirage personnalisé, évidemment. Pour cela, vous pouvez me contacter sur mon email que je mets en barre d'infos. Quoi dire de plus? Je vous propose également une guidance semestrielle pour les 6 prochains mois, à partir de juillet jusqu'au mois de décembre 2021. Si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil dessus, je vous mets le lien en barre d'infos. On se retrouve dans quelques instants pour le tirage de chaque signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, c'est votre tour pour la guidance générale du mois d'août 2021. Je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme en ces mois de vacances pour certains, mais certains n'ont pas la chance de pouvoir partir ou encore du travail, etc., etc. Voici pourquoi on va éclairer votre chemin avec ces différentes lames de tarot et d'oracle. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long du mois d'août 2021 avec le tarot Symbolon. Et nous avons cette carte qui s'appelle l'Invalide. Avec cette carte, on peut voir que vous avez déjà fait un sacré bout de chemin malgré les embûches, malgré les entraves, malgré les difficultés. Vous avez mené votre barque jusque-là, même si on ne voit que le fait que cet homme est un peu estropié, on voit quand même tout le chemin qu'il a parcouru, le chemin difficile qui est représenté par Saturne et le signe du Capricorne. Ici, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement. Donc, on vous dit avec cette carte de tenir bon dans vos projets, de tenir bon dans ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, dans votre vie affective, si elle vous paraît compliquée, si vous traversez des épreuves que l'on peut voir ici avec ces béquilles. Vous semblez, en tout cas, revenir de loin avec cette carte. Je le sens, on sent les difficultés, la difficulté d'être seul dans ce paysage un petit peu sec et aride. Il y a en tout cas, avec cette énergie de Mercure ici, une phase de changement qui arrive. Et on vous dit quelque part, soyez encore un peu patient, puisque vous avez fait tout ça, mais pas pour rien. Pas pour rien, le changement arrive. C'est une question de temps avec Saturne. Saturne nous demande de mettre, de dépasser nos limites d'une certaine manière, de surmonter les épreuves pour nous reconstruire, nous construire quelque chose. Nous construire quelque chose, je crois que j'ai dit, donc c'est complètement pas français du tout, mais c'est pas grave. Donc pour construire quelque chose, en tout cas, soit une relation plus stable dans notre vie sentimentale, soit des projets divers et variés, on peut revenir de loin pour une réorientation professionnelle qui nous demande un long parcours peut-être d'apprentissage. On apprend à marcher avec ses béquilles et on apprend à marcher différemment avec ses béquilles. Même si l'on est entravé, on a été capable d'arriver jusque-là. C'est ce que j'ai envie de retenir en regardant cette carte. On va regarder maintenant avec l'oracle des runes, quelle rune vous accompagne pendant le mois d'août 2021. Nous avons Nodiz. Nodiz qui signifie le besoin. Ici, on voit avec cette carte, justement,
On est ici avec les épreuves à surmonter. On a des besoins parce qu'on rencontre des difficultés. Cela crée des besoins, ça crée quelque chose en nous qui nous invite à surmonter les difficultés pour aller vers l'essentiel, comme on le voit ici, absence de cupidité. Et cela nous demande en tout cas beaucoup de patience. Comme je vous le disais ici, avec cette énergie, il est question de ne pas relâcher ses efforts, de ne pas abandonner et de faire preuve de patience. Il y a peut-être encore dans votre vie actuellement des blocages. Vous avez le sentiment de ne pas tout à fait pouvoir avancer comme vous l'entendez, pouvoir avancer comme vous l'aimeriez, aussi vite que vous l'aimeriez. Mais quoi qu'il arrive, béquille ou non, vous continuez d'avancer à votre rythme. Et il est peut-être question ici, avec Saturne aussi, comme il y a un côté karmique, c'est prenez le temps d'apprécier le chemin plutôt que d'envisager constamment le but, l'endroit où vous voulez aller. Prenez le temps d'apprécier, entre guillemets, les embûches, parce que c'est elles qui peuvent vous apprendre énormément de choses pour avancer par la suite. Avec cette carte de Nodise, on nous parle bien de se transcender et de faire preuve de patience et de courage quelque part. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de vraiment de l'ordre de aller chercher ce dont on a besoin. Il y a une dimension karmique dans ces deux cartes. On sent que les plans sont faits, que les plans de l'univers sont là, mais que tout n'est pas encore tout à fait en place. Il nous manque sans doute quelques éléments où les personnes qui avancent avec nous n'avancent pas au même rythme, par exemple. Et donc, ça crée une certaine forme d'entrave. On va regarder maintenant l'énergie qui vous favorise, qui va vous aider tout au long du mois de d'août. L'énergie qui vous favorise, un arcane majeur, l'ermite. L'ermite qui nous invite à prendre notre temps, puisque l'ermite, c'est quand même un peu l'énergie de Saturne aussi, hein, c'est le temps qui passe, c'est la compréhension de nos erreurs, la compréhension du passé, la compréhension de nos peurs, de nos limites. Donc ici, avec cet ermite, ça confirme que on vous invite à regarder le chemin que vous parcourez avec beaucoup d'intérêt, parce que ces embûches ne sont pas là juste pour vous emmerder, quoi. Ces embûches sont là pour vous apprendre votre nouveau métier, vous apprendre à aimer autrement, vous aimer vous-même autrement et à comprendre de vos erreurs. Et pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc ici, il y a une question de lenteur pour essayer peut-être, pour certains, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et il est possible que vous soyez confronté à une situation au mois d'août qui vous replonge un peu en arrière et qui est un peu comme un autre test, un nouveau test, comme une épreuve comme si c'était une épreuve boomerang qui revenait du passé, quelqu'un qui revient pour vous tenter à nouveau alors que vous aviez décidé de le quitter. Il peut y avoir ici de faire attention, d'aller vraiment à l'essentiel et de ne pas retomber dans ses travers, dans ses pièges, dans ses peurs que l'ermite tente absolument de souligner. Comme c'est une carte favorable, vraisemblablement, vous allez comprendre de vos erreurs, en tout cas, si jamais quelqu'un se repointait le bout de son nez pour emmerder le monde ou une situation. On va regarder maintenant ce qui doit attirer votre attention, là où votre attention doit se porter, là où vous devez travailler. Le chariot, encore un arcane majeur, alors que j'ai quand même tiré sur le paquet entier. Donc, c'est très puissant. On vous demande de la patience là où peut-être vous avez envie de vous précipiter, là où vous avez envie de foncer, courir. Vous n'en pouvez sans doute plus de marcher depuis des mois, des semaines, des jours avec des béquilles. Vous n'en pouvez plus. Vous avez envie à nouveau de courir. Vous avez à nouveau envie de récupérer toutes vos capacités et qu'on vous libère, entre guillemets.
qu'on vous libère de vos entraves ou que vous vous libériez de vos entraves. Le chariot, ici en position non pas négative, mais qui doit attirer votre attention, c'est quand même de faire attention à la précipitation, de faire attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs, comme je disais, de faire attention de ne pas parler trop vite, de ne pas prendre de décisions hâtives, de prendre le temps de la réflexion, d'être dans la patience. Voilà comment je ressens ces trois énergies. On va regarder maintenant l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. Pour compléter cette énergie, on est bien avec le battleur dans un nouveau commencement. Comme depuis plusieurs mois pour les béliers d'ailleurs, c'est une énergie où on recommence quelque chose, où on est en train de mettre en place quelque chose dans sa vie affective, dans sa vie relationnelle, dans sa vie professionnelle. Le battleur nous dit que nous avons tous les outils en notre possession pour réussir. Maintenant, est-ce qu'on sera capable de les utiliser? Est-ce qu'on aura envie de les utiliser? Par exemple, vous avez toutes les capacités pour être un danseur professionnel, mais serez-vous apte à prendre votre courage à deux mains pour aller prendre vos premiers cours, pour passer des castings? Avec cette carte, on a tous les talents, tout est possible, mais qu'est-ce que nous ferons de ces talents? Est-ce que nous allons bien les utiliser ou pas? Telle est la question du battleur. Voilà, je vais compléter avec une autre carte par rapport à ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nouveau départ pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? C'est un nouveau départ très attendu que vous désirez vraiment avec le roi de bâton qui a une énergie d'impulsion, une énergie de mouvement. Il veut se mettre en place et on voit que vous êtes déjà en mouvement depuis probablement quelques temps, mais ça vous demande de toujours être un peu dans le « j'accélère, je freine, j'accélère, je freine, j'accélère, je freine ». Le roi de bâton, c'est l'impulsion, c'est celui qui est capable d'aller de l'avant, de faire ce qu'il désire, d'écouter absolument ses désirs. Mais c'est aussi celui qui peut parler un peu trop fort, parler un peu trop vite, un peu trop commandé. Donc il est question ici de canaliser son énergie. Pour l'instant, tout le début du tirage nous parle de ça, canaliser votre énergie, essayer de mettre quand même un frein dans votre envie et apprécier pratiquement le phénomène de patience, parce que il y a vraiment quelque chose ici qui nous dit que la patience n'est pas si négative. Il faut apprendre. Peut-être que en tant que bélier, en tant que fonceur, toujours déterminé, toujours prêt à en découdre, vous avez quelque chose à apprendre de cette patience qui n'a jamais peut-être été comprise ou qui vous a fait défaut de par le passé. Et il est question ici de laisser les choses se mettre en place avec le temps qu'elles demandent pour se mettre en place. On va regarder d'un point de vue professionnel quelle est l'énergie principale d'un point de vue professionnel. Nous avons le jugement. Le jugement nous parle de bonnes nouvelles, de révélations, de quelque chose qui vient à nous pour nous éclairer, nous illuminer, nous réveiller. Il y a avec le jugement un petit côté « je renais de mes cendres grâce à une seconde chance, grâce à une déclaration, grâce à un courrier, une nouvelle qui pourrait arriver dans votre vie professionnelle et matérielle, pardon, ici, quelque chose d'agréable qui vous réveille, qui vous sort de votre torpeur. Le jugement est une excellente lame qui vient ici nous indiquer que quelque chose vient vers nous, probablement pour éclairer notre lanterne, pour nous donner des encouragements, pour continuer cette marche, cette longue marche vers le succès et pour atteindre notre but. Ici, il y a quelque chose qui peut venir, en tout cas, vous encourager pour ceux qui ont des projets professionnels.
On va regarder maintenant avec le tarot persan de Madame Indira. On a effectivement la confirmation des nouvelles avec le pan. Et comme on peut le voir ici avec ce courrier dans son bec, le pan qui annonce des jolies nouvelles, surtout qu'avec le roi de cœur, ce sont des nouvelles qui nous apportent beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc, des nouvelles d'amour de quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément un message amoureux, hein, surtout qu'on est dans le secteur professionnel et matériel ici, mais en tout cas, un message de quelqu'un qui nous porte de l'intérêt et qui a quelque chose à nous dire qui est fort agréable. Avec les fossiles, on est dans une énergie de communication. Les fossiles, c'est tout ce qui est voyage, déplacement. Donc, on pourrait, pour certains, avoir des déplacements ou en tout cas un changement qui s'accélère. Donc, quelque chose peut se mettre à accélérer. En tout cas, avec cette carte du 10 de fossile qui représente le 10 de carreau, on est dans une augmentation des projets, on dépasse les obstacles, on avance et on a une super communication avec les autres. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de réjouissant dans le domaine professionnel ou matériel qui viendra vous faire plaisir. On va regarder, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Désolé pour la caméra qui bouge. Avec l'oracle des miroirs pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a justement sur cet homme de cœur, ce cavalier de cœur qui amène un message d'amour? Là, on est vraiment dans le message, hein. Le message qui fait vraiment beaucoup, très, très, très plaisir au mois d'août. Alors, on a un message qui permet la création de quelque chose, la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle rentrée d'argent pour le matériel, quelque chose en tout cas qui apporte de la nouveauté. On est avec cette énergie du battleur, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a avec ce pan? Avec la carte de la projection, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair, d'y voir plus loin et d'y voir, de pouvoir justement se projeter, j'entends ce mot, se projeter dans l'avenir, quelque chose qui peut nous permettre de voir plus loin. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, une réponse que vous attendez, quelque chose qui permet en tout cas d'avancer de façon claire. Et qu'est-ce qu'on a avec le 10 de carreau? Donc, c'est une augmentation de projet, c'est une avancée claire, c'est la proposition d'un déplacement, d'un voyage lointain, peut-être pour certains, dans la vie professionnelle. Donc, il peut y avoir aussi une réponse de mutation pour certains, une réponse que je vois plutôt positive ici avec ce voyage lointain et qui apporte de la tranquillité, du calme, un retour au calme, peut-être après toutes ces épreuves, toutes ces complications que vous semblez avoir vécues à mi-bélier. Ici, il y a un retour à la tranquillité d'un point de vue professionnel. Pour certains, il peut s'agir clairement d'une proposition d'embauche, hein, d'une réponse à un CV, par exemple, qui vous offre l'opportunité de commencer quelque chose. Voilà. On va regarder maintenant les énergies relationnel. Alors, dans le relationnel, il y a évidemment les sentiments amoureux, mais pas seulement. Donc, certains y verront des messages amoureux et sentimentaux, d'autres plutôt relationnels, amicales ou même professionnels, pourquoi pas. On a l'énergie du chariot comme énergie principale. Chariot, tout à l'heure, où on nous disait de calmer le jeu et de faire gaffe à notre impulsivité. Ici, le chariot nous parle de conquête, de rencontre
et d'opportunités de rencontres pendant des déplacements, pendant des sorties. Donc, le mois d'août, pour vous, les amis béliers, sera peut-être l'occasion de sortir, de vous déplacer. Évidemment, certains seront en vacances, d'autres profiteront du beau temps, je l'espère. Pour l'instant, on est plutôt à la Toussaint qu'au mois de juillet. Donc, avec le chariot, en tout cas, vous profiterez de l'extérieur et vous aurez un parfum de conquête pour conquérir les autres, pour séduire les autres. Ici, il y a une énergie très brillante, charismatique, conquérante. Le chariot, c'est quand même la victoire. Donc, c'est l'occasion pour vous, peut-être, de briller en société, de briller en amour auprès des gens. Et le chariot nous parle également de progression, d'avancée. Donc, ça peut être pour certains une avancée sentimentale avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Le chariot peut nous parler de projets qui avancent pour un couple. En tout cas, quelque chose avance dans l'émotionnel, le relationnel ici, par rapport à nos contacts avec l'autre. On va regarder maintenant les messages du tarot persan. Une rencontre. Les sept chouettes et la femme. Pour moi, ici, avec ces trois énergies, il y a une énergie vraiment de rencontre importante qui n'est peut-être pas du domaine sentimental et amoureux, en tout cas pour certains. Cette femme ici est une femme influente, est une femme qui a de l'argent, qui peut être indépendante et moderne, qui ne confond pas les sentiments et le travail, qui est vraiment qui a une influence, un soutien financier. Alors évidemment, on est dans un tirage général, ça peut être un homme, hein. Ici, il peut y avoir donc la rencontre de quelqu'un qui pourrait vous soutenir soit dans vos projets, soit dans votre vie matérielle, amicale, mais quelqu'un qui aurait une forte influence, qui connaîtrait du monde, qui aurait par exemple des moyens financiers, quelqu'un qui est plutôt bienveillante et sincère surtout. C'est ça qu'il faut garder. Donc il y a une très jolie rencontre qui peut avoir une importance particulière. Dans un délai de 7 mois, une rencontre que vous faites aujourd'hui, quelqu'un qui investit sur un de vos projets, par exemple, et qui pourrait voir le jour dans 7 mois avec les 7 chouettes. On va éclairer ce tirage avec d'autres cartes de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur cette rencontre? Qu'est-ce qu'on a sur cette rencontre? Il y a une forme de réussite, comme si on passait un examen, comme si, pour moi, l'examen ici, c'est une réussite. On a séduit. C'est comme si on passait un examen d'entrée, d'embauche. On séduit quelqu'un avec cette réussite. On séduit cette femme influente, cet homme influent, par rapport à un projet ou par rapport à notre façon d'être, notre propre personnalité peut la séduire, surtout que nous avons un côté charismatique ici et avec une certaine forme de profondeur qui nous permet de conquérir les cœurs. Le chariot est quand même proche du signe du cancer, qui peut nous parler de sentiments profonds, de quelque chose de très très puissant avec cette personne qui pourrait vraiment avoir une importance cruciale pour nous. Qu'est-ce qui se passe avec les 7 chouettes justement? Qu'est-ce qu'on pourrait voir venir grâce à cette rencontre? La fécondité. Avec la fécondité, on nous parle de la créativité, de la possibilité d'être dans l'abondance. Une rencontre qui nous offre énormément, qui nous apporte beaucoup. Qu'elle puisse nous apporter, entre guillemets, beaucoup d'argent, beaucoup de projets, beaucoup d'amour, beaucoup
de sentiments. Avec la fécondité, on nous parle également d'un enfant. Alors 7 mois, c'est un peu court, il faut souhaiter que ça dure un tout petit peu plus longtemps, mais pourquoi pas une rencontre, en tout cas, qui apporte des résultats pour un enfant ou pour faire naître quelque chose avec cette personne dans un délai plus ou moins de 7 à 8 mois. Qu'est-ce qu'on a avec cette femme influente, cette femme, cette dame, cette reine, pardon, de trèfle? C'est une femme plutôt loyale, hein, quand même, qui reste indépendante. Si elle nous parle de rencontres, elle peut avoir un côté un peu taiseuse, dans le sens où elle ne parlera pas de ses sentiments comme une reine de cœur. Elle est plutôt indépendante, donc elle reste un tout petit peu dans une certaine mesure par rapport aux sentiments. Hein. Avec le retour, moi je vois surtout déjà avec ce retour, c'est comme si j'avais tout de suite aperçu la roue de fortune. Donc ici, c'est un peu un cycle voilà, il y a quelque chose qui se met en place et il y a comme le retour, un retour de bâton. Il y a quelque chose qui, il peut être question d'une personne influente qui revient évidemment vers vous, qui a été dans votre vie pour une raison X ou Y, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient tourner entre guillemets la roue de votre vie, la roue de fortune de votre vie pour vous apporter quelque chose d'important, de profond, qui apporte énormément de fécondité. Très joli tirage ici pour pour l'émotionnel, le relationnel. Il y a pour moi une très jolie rencontre, qu'elle soit amoureuse ou affective ou relationnelle. Même pour un couple, ça peut être la présence d'une femme qui vient vous soutenir dans un projet de couple. Ça peut, on peut nous parler d'une investisseuse dans une affaire familiale, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, et on va regarder maintenant avec l'oracle des portes de l'intuition, quel est le conseil du mois de l'oracle pour les amis Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Pour le mois d'août, quel est le conseil que l'on vous donne pour ce mois? Celle-ci est tombée. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On est un peu sur ce parcours, hein. Ici le chemin est long et ici le pont du futur nous montre que à la fois la voie est libre, mais c'est un chemin qui demande du temps, qui reste encore un petit peu dans le brouillard. Il faut l'envisager avec positivité, il faut rester optimiste et avoir beaucoup d'espoir. Vous êtes sur la bonne voie par rapport à votre projet, vous êtes véritablement sur la bonne voie, les cartes nous le disent ici, il n'est pas question entre guillemets d'abandonner ce projet parce que c'est exactement le chemin sur lequel vous devez être à votre juste place. En dos de deck, on a la longue vue qui nous parle aussi de ce long trajet quelque part. Hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Nouvelle vision, ne soyons pas dans les gémissements, dans la peur, la façon d'affronter avec négation les obstacles. On nous invite ici à relativiser et avoir une nouvelle vision des choses avec beaucoup plus d'optimisme. C'est ce que je ressens, en tout cas pour vous les amis Bélier. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et si vous voulez témoigner pour me dire comment ça résonne en vous, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce message sublime que vous allez peut-être recevoir au courant du mois d'août. N'oubliez pas que le temps est aléatoire avec les oracles et le tarot. Peut-être que certains viennent juste de recevoir cette nouvelle ou d'autres le recevront plutôt début septembre.
C'est fluctuant, hein, le temps avec les oracles. N'hésitez pas en tout cas à témoigner en commentaire. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre. On se retrouve bientôt pour des guidances professionnelles et sentimentales. Ciao, ciao.